Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le lunich matin, vraiment de Chai Ben Yitzhak, Vefani, Dvora, Bat Esther, Sol Vanish, les bêtes d'Elmar, ainsi que le Fouad Amram Ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Serhat Yvan, Père Exaïn, Mishnah Bet, Bat Yisrael, Chenisat Lakoin, Vich Nisa, Lo Avadim, Ben Avde Milog, Ben Avde Tson Barzel, Are, Elu, Yochelu, Mitrouma. Vat Kohen, Chenisat Israël, Vich Nisa, Lo Avde Milog, Vich Nisa, Lo. Ben Abdemilog, Ben Abdetson Barzel, Arelo, Lo Yochelu Bitouma. Mishnah, qu'on a déjà tout expliqué longuement hier, Bezrat Hashem, dans le cours précédent. Et on va reprendre très succinctement, et j'ai une dette envers vous, c'est de vous expliquer c'est quoi l'étymologie des mots Nirse Milog et Nirse Tson Barzel. On va faire tout ça, Bezrat Hashem. Je rappelle très juste le principe, très rapidement le principe. Lorsqu'une femme se marie, tout d'abord, si elle était. L'essentiel de la Mishnah, c'est de nous dire, si c'était une femme Israël qui se marie avec un Kohen, elle devient elle-même. La propriété du Kohen, elle aura le droit de manger de la Trouma. Si c'était une fille de Kohen qui mangeait quand elle était chez son père, qui se marie aujourd'hui avec un Israël, il devient la propriété d'Israël, elle ne pourra plus manger la Trouma. C'est le principe de base de la Mishnah. On complique un petit peu l'histoire en nous disant, même les esclaves qu'elle avait, si c'était une Kohenette, une fille d'Israël qui se marie avec un Kohen, alors et qu'il y avait des esclaves, tous les esclaves qu'elle va faire entrer dans la maison du mari, ils pourront tous manger la trauma. Et on va expliquer plus précisément pourquoi. Il y a deux sortes d'esclaves, comme on va voir dans 30 secondes. Donc tous les esclaves qu'elle va faire entrer, ils auront aussi mangé la trauma. Pourquoi? Selon le principe, elle devient le bien, la propriété du Kohen, et tout ce qui est la propriété de la propriété, ça devient la propriété. Ça prend le droit de manger de consommer la trauma. D'accord? C'est le principe. Et inversement, c'est si on a le cas inverse, c'est que c'était une bat Israël, elle a une bat Kohen, une fille de Cohen, qui avait le droit de manger quand elle était chez son père, et aussi son père lui a donné des esclaves. Maintenant, elle se marie avec un Israël. Et quand elle se marie avec un Israël, elle devient la propriété du Israël. Les esclaves, eux aussi, vont devenir la propriété du Israël, selon deux statuts, comme on va expliquer après, j'ai une dette. Et donc, de ce fait, les esclaves ne sont plus la propriété de la famille des Kohanim, ils deviennent la propriété d'Israël, et ils ne peuvent plus consommer la trauma. C'est le principe de la Mishnah. On fait la Mishnah, on la traduit, après je vous explique un petit peu plus longuement l'histoire de Nirset Zanmorzel et Nirset Mialog. Bat Israël Shenisset la Kohen, une fille d'Israël qui se marie avec un Kohen. Vichnissa lo Avadim, elle a fait entrer des Avadim. Ben Avdemilog, Ben Avdet Zanmorzel, qu'il s'agisse des esclaves qu'elle fait entrer sous le statut juridique de Nirset Milog, ou que ce soit des esclaves qu'elle fait entrer sous le statut de Son Barzel. Dans les deux cas de figure, Are, Elo, Yochelu, Bitruma, tout dans ces deux cas de figure, ils pourront consommer de la trauma. Pour quelle raison? Parce que, tout d'abord, lorsque je me marie avec une femme et qu'elle a des biens, les biens qu'elle va avoir, ils vont logiquement devenir les miens. S'ils deviennent les miens, moi je suis Cohen, je peux leur donner à manger. Mais même s'il y a des cas de figure où ils ne deviennent pas forcément mes biens, hein, ma propriété, parce que ça reste sa propriété, tout simplement parce qu'on a posé comme condition entre nous, en condition de mariage, que lorsqu'elle va se marier avec moi, j'aurai pas le droit de tirer profit de ses esclaves. Enfin, j'aurai pas le droit de tirer profit. Ça reste sa propriété, c'est elle qui en décide de ce qu'il fait. Je renonce à mon droit. Mais malgré tout, la femme, elle devient mon bien. Ma propriété. La propriété de la propriété du Cohen a le droit de consommer. D'accord? C'est le principe. On peut retrouver la situation avec un esclave, qu'on lui a fait cadeau d'un esclave, en lui disant que c'est la condition que son propriétaire ne en tire pas profit, ou encore avec une femme, comme on a expliqué. Ok? Parce que, donc je reprends, les esclaves pourront consommer. Pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'ils deviennent la propriété du Cohen, et même s'ils ne deviennent pas la propriété du Cohen, il reste la propriété de la femme, qui est elle-même la propriété du Cohen, et la propriété de la propriété a le statut du Cohen. Ok? Et inversement, Obat Cohen, Shenisset Israël, une fille de Cohen qui s'est mariée avec un Israël, chez Veichnissa Alo, et elle a fait entrer dans la maison, Ben Avde Milog, Ben Avde Son Barzel, qu'il s'agisse des esclaves, Milog, du statut juridique qui s'appelle Milog, ou bien qu'il s'agisse d'esclaves qui prennent un statut de Tson Barzel. Dans tous ces cas de figure, on parle d'une femme, une fille de Cohen qui se marie avec un Israël, elle devient elle-même la propriété d'Israël, elle ne peut plus elle-même manger de la trauma, et ses esclaves ne peuvent plus manger de la trauma. Lo yochlu bitrouma, ils ne pourront plus manger de la trauma. On a fini avec la Mishnah maintenant, on explique un tout petit peu plus c'est quoi l'histoire des Avde Milog et Avde Tson Barzel. C'est très simple. C'est l'étymologie plutôt. Le principe, on a déjà expliqué. Avde Milog, ça signifie qu'en fait, il y a ce qu'on va écrire quand je me marie avec elle. Elle écrit dans la soukha, dans la ktouba, qu'elle fait entrer tel et tel et tel bien. Donc, si elle écrit ça, ça signifie qu'en fait, les biens, elle me les met à ma disposition totale, mais je m'engage que le jour où je la divorce, ou, phrase de Shalom,
on quitte le monde, on lui rend la contre-valeur de ce qu'il valent aujourd'hui. D'accord? Donc en fait, c'est comme si qu'en fait j'ai acquis un objet, que juste qu'on s'est engagé que je le payerai au cas où, et au pire, je ne le paye pas. Mais pour le moment, l'objet, ça devient le mien. C'est le principe. Elle me fait entrer ce qu'on écrit dans la Ktouba, ça devient forcément des tzons barzel. Alors qu'il y a d'autres choses qu'elle ne fait pas et qu'elle n'écrit pas dans la Ktouba, ce n'est pas des choses qu'elle me fait entrer. Malgré tout, j'ai le droit d'en tirer profit, le fruit, ou l'usufruit, je crois que ça dit, que ça va m'appartenir à moi, parce qu'il n'y a pas de raison que moi, je dois me fatiguer à travailler pour nourrir ma femme. J'ai des engagements, ras de shalom, si elle est malade, je dois la truc. Si elle se fait prendre en captivité, je dois la racheter. J'ai des pleins d'engagements face à ma femme. Rabbi ont dit, par rapport à tous mes engagements pour ma femme, la moindre des choses, c'est qu'elle me donne le droit d'exploitation de ses biens qui appartiennent à elle. Donc les biens, ils restent les siens, mais le droit d'exploitation, ça reste les miens. Un petit peu comme si je l'ai loué ou je l'ai... D'accord? Maintenant, pourquoi ça s'appelle Nirsé Milog et Nirsé Tson Barzel? Milog, c'est un peu compliqué. Milog, ça veut dire, c'est l'imlog, tarnégolette, ça veut dire consommer une tarnégolette. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. En théorie, une méliga, c'est qu'on la fait tremper dans de l'eau chaude pour la manger, je sais pas. Ça veut dire consommer les fruits. C'est-à-dire que ça reste le sien, mais j'ai le droit de la manger. Et tandis que Tson Barzel, littéralement, ça signifie un bétail, ouais, de en fer. Un bétail en fer, un bétail de fer. Ça veut dire quoi un bétail de fer? C'est très simple. C'est qu'en fait, elle me fait entrer chez moi du bétail, qui devient en fait ma propriété, que je vais exploiter, mais qui reste pour moi caché qu'à barzel. Il reste dur comme du fer. Comme le fer, il rouille difficilement, il se détériore difficilement par rapport à un être vivant qui va mourir et prendre la vieillesse. Lui, elle m'a fait entrer en fait un troupeau qui reste dur et fort comme de la pierre ou comme du fer, qui ne va pas se détériorer, qu'en fait, quelles que soient les années qui passent et les intempéries, je devrais toujours régler leur prix intégral. C'est pour ça que ça s'appelle Tson Barzel. Un Tson comme si que j'ai réussi à transformer les petites brebis en des brebis en fer qui ne vont pas s'abîmer avec le temps. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la récolte.